Tout à fait. Une affaire de famille. Il y a des moments comme ça. Daniel Pratt est là, Rallye 3, donc il vient de s'élancer. Daniel Le Maire, donc le courir de meilleur temps. Benjamin Vielmi avec le site KCG C100, Daniel Pratt, donc la Rallye 2, Lille-Belois, on attend les chronos de tous ces pilotes. Bon, Bernard, tu es avec toi, les gars. Tu es arrivé. J'ai eu des soucis avec le moteur à casse. Alors que l'on notera que ce type de verre est en plus au volant de la. Affaire à suivre avec peut-être un arbitre en la personne de Didier Delizet qui pilote la Renault 5 Turbo. Ah, Didier Delizet qui est du département du Jura. À l'identique. Alors... C'est 198 qui vient de s'élancer, donc ça doit être Christophe. Le piston, voilà. Et maintenant ça doit être... C'est Daniel. Daniel qui hier m'a eu question de... Ça s'est envolé, et je n'ai plus atterrir sous... On y va. Donc Rémi Babi, donc retour du pilote de Lantilly, Rémi Babi avec la Renault Clio Williams, lui aussi à N3 de 194. 193, Michael Fezé, le garçon de Vélo Auvergne avec la Renault Clio RS et Anne-Marie Babi. Anne-Marie Babi, 191 avec elle, la Renault Clio Sport RS. En années au championnat d'Europe et il doit être aux alentours de sa 750e course. On a une sortie en bas, on a une sortie face à nous.
Mike Rivillon est parti à 87 au Bernard. Et on va peut-être voir le... Celui qui est parti avant Bertrand 180. Donc ça, ce serait Christian Chemsa. Si elle est... Taxi. Si elle est gris métallisée, la BMM3, ça se met peut-être juste dans ce cas. Non. La joie de vivre de Pascal Déré. On l'avait vu dans les années 2006, bah oui, à l'époque c'était la finale d'Aimé Crevon. Il avait entraîné avec lui Dany Rossi, qu'on salue. Il avait entraîné tous les pilotes auvergnats là-bas. Donc il cette finale d'Aimé Crevon. Le pilote issu du monde d'or, mais qui a mis Torsine et qui travaille dans une société qui produit des millions d'eau de sources de montagne. Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? 9e Jean-Luc Clotière, 10e Peugeot, 11e l'après-grille, et puis on reviendra demain sur ce qui s'est passé dans les différents groupes pour les 9 premières manches de ce championnat qui, on vous rappelle, en compte hier, il devrait être sponsorisé par CroisiEurope parce qu'il paraît qu'il y a du lien, il fallait savoir nager. Et piloter d'ailleurs. Et bien ramer aussi. Oui, en plus, il faut quand même savoir qu'il a battu Christian Schmitter. Allez, on va retrouver Jean-François Galva maintenant. Et oui, Anne-Sophie Nourry, 3,32,489, Dominique Guillaume, 3,26,242, Christian Schmitter et la Porsche, 3,26,067 pour le jeune. Gabard, Steve Compin, Thierry Ressouche, Thierry Thiers, Éric Perard, Jean-Luc Miramont et Dominique Montaigne pour les 15 premiers. Polge, Gosson et Bernard pour le groupe A. Alors, Chineta, G50 Cup. Des essais, premier essai pardon, premier essai pour le groupe GT de série. On va vous donner tout à l'heure le classement du GT. C'est une bonne événement de 46, Lilian Boucher était parti juste avant que l'équipe Pereira. Et là, on a un gros groupe de son Proto CM. Oh.
sans oublier un autre anniversaire pour un autre pilote licencié en Auvergne, l'homme à la polo verte, 42 ans pour monsieur Madouillon aujourd'hui. Apparemment, tout le monde se plaint un petit peu de l'excès d'alerte. Ouais, la piste était glissante, je pense que l'alerte est du matin. Avec sa Formule 3000, décontractée mais hyper rapide, je rappelle que le record a pris du parcours à partir depuis 2011.